d'avoir les réalisateurs avec nous ce soir. Donc je vous demande de bien vouloir accueillir chaleureusement Christina Biogité et Bruno Serpeur. Particulier qu'on peut voir dans Vesper Chronicles.
la genèse du film de l'idée, de l'idée du film. Donc il y a 6 ans, on voulait faire un film, on voulait tourner un film en Lituanie, on voulait tourner en fait, on avait l'idée de tourner un conte de fées, d'utiliser vraiment les spécificités de la Lituanie, qui sont ces merveilleux paysages que vous avez pu voir dans le film, qui sont même un film parti des paysages lituaniens qui sont vraiment splendides. Et voilà, on pensait vraiment que voilà, ce pays a vraiment une vague de contes de fées, et on voulait vraiment développer un conte de fées. Film qui sont un conte de fées en Lituanie. En même temps, on avait toutes ces obsessions sur les biotechnologies, la génétique. Et voilà, on s'est dit, voilà, il y a peut-être un moyen voilà, de combiner les deux et de développer un film qui soit en fait sur une thématique de ce qu'on appelle la biofantaisie. C'est un genre comme ça qui est la biofantaisie. Et bon, on a commencé à travailler là-dessus et petit à petit, l'histoire de Vesper. Alors, au cœur de l'histoire de Vesper, bon, voilà, ça, je parle un petit peu de décorum et l'environnement, mais au cœur de l'histoire de Vesper, il y avait l'idée de travailler sur l'idée de l'espoir. C'est-à-dire que nous, on est une génération, on a grandi avant l'an 2000, et pour nous, enfin, l'an 2000 et après l'an 2000, c'était le futur. On imaginait peut-être pas les voitures volantes, mais on imaginait quand même un futur voilà, brillant, politique presque. Et voilà, plus on avance, et plus finalement on a l'impression que le futur est confisqué aux nouvelles générations, c'est-à-dire que voilà, il ne se passe pas une journée où il y a des mauvaises nouvelles, où on dit voilà, qu'il n'y a pas de futur, que voilà, l'extinction des espèces, le changement climatique, etc., etc. Et on se dit que ça doit être vraiment très très compliqué pour la jeunesse aujourd'hui d'arriver à se projeter comme ça dans le futur. Et voilà, on avait envie de parler d'espoir, c'est-à-dire on a essayé de. Voilà, on s'est dit, voilà, on va faire un film dans un environnement voilà, qui est complètement, lui, désespéré, c'est-à-dire voilà, c'est fini, voilà. Le monde s'est éteint, le monde s'est fini, et comment en fait, un monde qui s'est éteint, quand c'est fini, quand il n'y a plus rien à perdre, comment finalement l'espoir peut encore être là, comment il peut renaître, comment finalement la possibilité de continuer à voir la beauté là où elle est encore, en fait, permet de recréer l'espoir et peut-être de repartir et de recommencer. Est-ce que vous avez eu des sources d'inspiration particulières pour créer cet univers ? I mean, it came when creating, when working in this kind of universe in genetic engineering or like biofantasy for already many years, and there are different kind of inspirations from movies, comics, books, scientific researches. So everything is coming in one. Because when we're imagining the future, we're thinking that it's a natural evolution that we're coming to biocomputing and genetic engineering will evolve. There is new findings in the CRISPR, when you can cut out gene sequence and to change the codes and to make different beings, and we're imagining what will happen if it becomes available for everybody, and how the future would change, and how it can form, and so yeah. Non, basiquement oui, enfin, on a eu plein d'influences vraiment diverses et variées, pas uniquement des influences cinématographiques, mais ça peut aller sur des documentaires animaliers, on est passionné des documentaires animaliers, de biodiversité, aussi de recherche scientifique. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches scientifiques qui se font sur ce qu'on appelle la biologie synthétique, on parle dans le film, la génétique en fait, et on est persuadé que c'est vraiment la prochaine révolution scientifique, qui est la révolution informatique, la révolution industrielle, ensuite la révolution informatique, la prochaine révolution c'est vraiment la révolution des biotechnologies. On pense que plus la technologie va avancer, plus elle va commencer à devenir organique, elle va fusionner avec le vivant. Donc c'est un peu en fait ces recherches, ces idées qu'on a voulu un petit peu être pleine dans Vesper et explorer.
que quelqu'un a une question peut-être? Bonjour, ma question ce serait, on sait qu'il y a beaucoup d'œuvres cinématographiques qui ont été impactées par la crise sanitaire, et comme le tournage s'est majoritairement passé dans des endroits ouverts et peut-être après cette crise, est-ce que ça a impacté votre tournage et votre travail, ou ça s'est bien passé pour vous? You want to talk about the shooting in Lithuania in the middle of pandemic? Sorry, I'm asking the question to Daiva. So Daiva is a Lithuanian producer, and yeah, on a filmé au milieu de la pandémie, c'était en avril-mai de l'an dernier. So we shot there, so maybe you can talk a little bit about shooting in Lithuania. So we had shooting during pandemic, like last spring, and everything was actually complicated and challenging, and from preparation, because we couldn't meet right people, creators, for example, we need LiDAR, yes, we need it, and we couldn't meet in person and to explain to person what exactly Bruno had in mind, for example. Everything had to be via Zoom and internet, via emails, yes. For example, casting as well. Directors chose casting via internet. They had a discussion via Zoom and only met actors 1 week before shooting, and all rehearsals all as well were via Zoom, yeah. And was actually very cold winter and snow, and we couldn't choose a location, so we had to start shooting because we couldn't wait because of schedules of actors and of nature, because we wouldn't need like leaves on trees, yes, and so we started shooting, and in parallel we're looking for other locations. Je vais traduire un petit peu. Donc c'était que des contraintes. On était au cœur de la pandémie, donc ne serait-ce que la préparation du film, la construction des décors. Il y avait beaucoup de magasins en Lituanie qui étaient fermés, donc c'était beaucoup de commandes en ligne sur Amazon pour pouvoir construire les décors, les costumes dans les temps. Ne serait-ce que le processus du casting, trouver Rafaela qui incarne le rôle principal de Vesper, ça s'est passé sur Zoom. Christina et Bruno étaient incapables d'aller à Londres, puisqu'il y avait une phase de quarantaine. Donc ne serait-ce que rencontrer Rafaela et d'autres actrices potentielles, c'était impossible. Il y avait la météo qui rentrait en jeu, parce que sinon ça serait pas drôle. Il fallait attendre que la neige fonde en Lituanie pour retrouver justement la transition des saisons entre l'hiver et le printemps et éviter que les fleurs germent pour avoir à les effacer en post-production. Donc il fallait attendre que la neige fonde pour notamment aussi trouver des décors, pour repérer des décors du film, parce que les routes étaient inaccessibles avec la neige. Donc c'était pas mal de contraintes, mais on y est arrivé, notamment grâce à la production lituanienne, et puis on a décalé un peu le début du tournage, mais c'est vrai que c'était un petit challenge. Mais c'est merveilleux quand on est tous les deux jours aussi. Ça fait partie des choix du métier. D'autres questions? Bonsoir, félicitations déjà, c'est un très beau film. On sent que la direction artistique dans ce film prend beaucoup de, comme dans le premier film d'ailleurs, Vanishing Waves, beaucoup de décors, beaucoup d'éléments, beaucoup de détails réels dans le dur, enfin, en tout cas on a l'impression. Dans celui-ci, je voulais savoir si, parce que forcément il y a beaucoup de choses, enfin quelques détails, qui sont de l'ordre du numérique, et je voudrais savoir comment vous aviez
anticiper justement ce travail avec le numérique sur ce film particulièrement. Et est-ce que vous auriez aimé le pousser plus, enfin, en tout cas, est-ce que vous avez eu tous les moyens à votre disposition, parce qu'en tout cas, enfin, que vous vouliez à la base, parce qu'à l'écran, c'est assez bluffant. Dès la conception du film, déjà le film était très 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 préparé en amont, très storyboardé. On a travaillé avec un superviseur des effets spéciaux, des gens d'amont, pour vraiment essayer de déterminer comment où on mettait les effets numériques, voilà, le coût aussi, bien évidemment. Dès le début, quand même, on avait une volonté de mixer ce qu'on practicole, les effets pratiques, les effets en dur, et du numérique. Voilà. On ne voulait pas du tout numérique, on voulait vraiment retrouver ces effets pratiques pour plein de raisons. Pour des raisons, je pense que voilà, en termes d'immersion, ça fonctionne beaucoup mieux. Immersion pour le spectateur, mais immersion pour les acteurs aussi. C'est-à-dire que voilà, on a fait souvent en fait du zèle déjà, souvent au niveau de la conception des décors et tout ça. On a construit plus que ce qu'il y avait forcément à l'image parfois, mais aussi pour immerger les acteurs, pour immerger l'équipe, pour immerger les acteurs et que tout le monde se sente immergé dans ce monde pendant le tournage. Je pense que ça se ressent en fait sur la façon de jouer. Donc voilà, pour nous, les effets pratiques étaient très importants. Après, les effets numériques sont intéressants et importants là où justement s'arrêtent les effets pratiques. C'est-à-dire que pour les plantes, avec les effets pratiques, on peut travailler sur des animations finalement très simples, des respirations, des pulsations, des choses comme ça, ça fonctionne bien. Pratique. Après, dès qu'on a des mouvements plus compliqués, plus complexes, c'est souvent, voilà, ça fonctionne vraiment bien en effet pratique. Et là, le numérique vient prendre le relais, notamment les plans qui viennent toucher la main de Camélia, les plans qui s'allument, les plans qui sortent de terre, voilà, ouais, des animations un peu complexes. Et après, le numérique intervient aussi, des fois, pour l'extension de décors, parfois aussi. On construit une partie des décors, donc la tour à la fin. On a construit quand même une autre partie de la tour, on a construit 6 mètres. De tour. On voit tout le bas de la tour. Et je construis vraiment. Et après, le haut, le dessus, a été étendu en effet numérique. Bonsoir. Merci pour le film. Moi, j'avais une question à propos du scénario et ce que vous avez dit un peu plus tôt sur l'espoir. Effectivement, je trouve que c'est du hop punk, hein, ce qu'on appelle le courant hop punk. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous dites que vous êtes d'une génération qui avait l'espoir et qui voit partir petit à petit. Et dans le récit, il y a un truc qui est plutôt original, c'est que l'héroïne décide de ne pas succomber à la violence et au cycle de la haine. Elle propose une espèce de concept de paix, quand même, final, et que le personnage rejette. Et est-ce que c'était, je pense que c'était conscient en termes d'écriture, mais est-ce que c'est vraiment l'idée de dire à la nouvelle génération de peut-être se débarrasser des quelques concepts un peu archaïques et d'avancer vers sa voie? Parce que j'ai l'impression que c'est tout ce que fait le film, c'est Vesper se fait retenir par les adultes, et elle a une vision du monde où on lui dit de ne pas le faire, on lui dit de mentir, on lui dit de cacher ce qu'elle est, on lui dit de cacher ses espoirs et ses craintes. Et je voulais savoir du coup si c'était vraiment le fond de travail d'écriture que vous avez essayé de donner sur l'ensemble du récit. Very nice observation. Thank you. For us, Vesper, what values she's bringing? She's bringing values of collaboration, of creation, of creation. And in fact, the movie was about the conflict between values, between Vesper and Jonas. Jonas is the one who is bringing the value of force, the one old way.
like survive the strongest, like hierarchy, like each fight for themselves and etc. And yes, and Vesper was representing different values. So I mean, you noticed very accurate. And also for us, it was very, very important to create character of Vesper who refuses to become to be a victim. And whatever happens, despite how many times she falls on the ground, she always stands up and always goes for her goal. So there is this, and yes. Yeah. Pour traduire, non, les deux enjeux principaux c'était la lutte des valeurs entre Vesper et Jonas. Principalement Jonas qui incarne la lutte du plus fort, enfin, la survie. À la différence de Vesper qui croit à d'autres valeurs, et donc le clé du film c'est l'opposition entre les deux. Et l'autre clé c'est pour le personnage de Vesper, c'était de ne pas en faire une victime, c'est d'avoir un personnage qui, voilà, peu importe les événements, ce qui lui arrive, on voit bien qu'au cours du film, elle a perdu sa mère il y a un an, elle s'occupe de son père, mais elle ne voit jamais ça comme un poids sur ses épaules, et malgré les événements, malgré sa condition, elle va au combat, et en effet, c'était très important pour Christina et Bruno, pour construire le personnage de Vesper et l'opposition et l'antagonisme aussi avec Jonas, le personnage incarné par Eddie. Aussi pour rajouter, en termes de valeur, ça aussi, c'est quelque chose qu'on tire aussi de voilà, enfin, on parlait des influences tout à l'heure. Une des influences, par exemple, c'est un biologiste botaniste qui s'appelle Jean-Marie Pett, peut-être certains connaissent, en fait, qui a fait une série documentaire au début des années 80 qui s'appelait L'Aventure des plantes. Après, c'est la division, ensuite, il a écrit pas mal de livres, il parle justement des stratégies, des plantes, de la nature, enfin, des stratégies de collaboration entre les insectes, les plantes et tout ça. Et lui et d'autres scientifiques, voilà, on parle beaucoup de. Voilà, de il y a beaucoup de gens qui sont dans la nature, la jungle, la compétition, la lutte plus fort et tout ça. Et en fait, on se rend compte que c'est des stratégies qui sont finalement des impasses. Et finalement, les stratégies de collaboration sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus résilientes à long terme pour la survie d'une espèce que les stratégies de compétition. Donc voilà, c'est aussi ça que peut être la thématique de la survie. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film. J'aimerais, si possible, que vous nous parliez du choix de vos acteurs, notamment. Parce qu'on a souvent l'habitude de voir Eddie Marsan dans des films dramatiques anglais très ancrés de la réalité, et notamment, je crois l'avoir bien reconnu, de Richard Brack, qui pour la première fois est dans une scène que j'ai trouvée émouvante dans un film. Et c'est quand même quelque chose. Non, mais c'est le rôle du contre-emploi. Enfin, on a eu un très bon duo de directeurs de casting anglais qui nous a amené on a essayé de rester sur des acteurs britanniques, même si on a pensé. On était au cœur, encore une fois, de la pandémie avec le doute qui planait sur qui est disponible, qui peut tourner, quand est-ce que ça va réouvrir. Donc, c'était tout le challenge de trouver qui allait, au-delà du script, être disponible. Mais Eddie Marsan s'est imposé assez facilement dans la complexité de ce qu'il a à travers toute sa filmographie à amener et prouver. Donc il y avait vraiment cette complexité-là qu'on a trouvée. Et ça permettait aussi d'ancrer le film dans une certaine réalité. Quand on a un univers fantastique comme celui de Vesper, de tendre vers un acteur comme Eddie Marsan qui ancre le film dans une forme de réalité, quand on regarde sa filmographie, c'est là où il nous a amené. Et Richard Brack, c'était typiquement le contre-emploi. Bruno peut en parler. Non, mais oui, enfin, quand les directeurs de casting ont proposé plusieurs choix, on vient tout de suite aller à Richard. Oui, pour le contre-emploi, ouais. On trouvait que ça pouvait être vraiment un challenge intéressant. Il l'a vraiment pris comme
s'est énormément impliqué. Il nous a dit à la fin du film qu'il n'imaginait pas que ça serait aussi physique. On peut imaginer qu'en fait, le fait d'être allongé tout le temps, c'est assez facile, mais ça demande une énorme concentration, parce qu'il doit faire passer tout son acting par son regard, par des micro-expressions, et ça demande vraiment une énorme concentration. Richard, c'est quelqu'un qui fait de la méditation, qui fait du yoga, ça l'a beaucoup aidé en fait. Pour la petite anecdote, il s'est trouvé qu'Eddie et Richard sont presque meilleurs amis, et ils sont les parrains de leurs enfants respectifs. On savait pas quoi. On savait pas, on va plus le calculer pour attirer l'un des acteurs, mais voilà, on s'est retrouvé que c'est passé un très bon moment ensemble sur le tournage. Et puis, non, la révélation, ça reste Rafiela, et le challenge était encore une fois via Zoom, avec entre guillemets le réservoir de jeunes acteurs, jeunes actrices anglaises, qui était impressionnant de trouver une actrice juste à travers voilà, un écran d'ordinateur et de dire c'est elle, j'espère c'est elle. Et ça a été plus ou moins un long processus, mais on a eu à nouveau, ça a été une évidence même au sein de l'équipe dès qu'on a vu les premières, ce qu'on appelle les tapes des jeunes actrices anglaises qui répétaient certaines scènes du film, dès qu'on a vu Rafiela et Daeva, you could talk about it, I mean, when you saw Rafiela, the first tape, it was, she was like, this is the one. Amazing, kind of, you know. We had 40 days of shooting, and she was in each scene. Like she had only one day. She was in 39 shooting days. Yeah, so 12 hours per day, and in each scene and during the night, wind, cold. I don't understand how. This girl survived, actually. She's like our hero, you know? And she really more than desperate. On devait même la freiner, quoi. À un moment donné, on avait ses parents étaient, ils travaillaient dans l'industrie du cinéma, donc heureusement. Les parents étaient sur tournage, je ne comprends pas. Ils étaient sur tournage tout le temps et on essayait de faire attention, mais en effet, il y a, voilà, elle est présente dans la plupart des jours de tournage et elle donnait tout. Et c'était, elle a commencé à jouer à l'âge de 7 ans. Pour Tim Burton dans Miss Peregrine, et elle est, voilà, depuis qu'elle est toute petite, elle rêvait d'être actrice, et dès qu'elle, voilà, elle a lu le scénario et elle voulait faire ce film, et elle a, voilà, encore une fois, elle a tout donné sur ce film-là, et elle est arrivée sur le tournage à peine 10 jours avant le début du tournage, donc il y avait quand même un gros travail de préparation, et malgré tout, ça a été une expérience fantastique, et elle a 14 ans maintenant, mais elle avait 13 ans et le personnage a 13 ans. Donc c'était aussi un sujet qu'on a évoqué même nous au niveau du casting. On réfléchissait à des actrices de 16 ou 17 ans peut-être qui ressemblaient, qui étaient plus jeunes, mais on a eu Rafiela qui était une actrice ultra déterminée dès la phase de casting et qui a tout donné. Et c'était malgré tout, on avait forcément les craintes de, à travers un écran Zoom, entre guillemets, à quoi ça va ressembler. And when it was very hard for her, she always repeated, I love my job, I love my job. And she was called, I love my job. Et bon, parce qu'on parle de tous les acteurs, Tim aussi pour Rosie, qui fait Camélia, qui est aussi incroyable, qu'on avait découvert dans une série qui s'appelle Alieniste, certains ont vu, la seconde saison, qui fait une composition vraiment, vraiment fantastique. Et aussi elle était, enfin, sur le tournage, elle restait tout le monde en immersion et elle a donné aussi une performance vraiment incroyable parce que c'est pas évident, c'est tout le temps le personnage de Camilla est tout le temps nuance, enfin voilà, et voilà, elle a fait aussi un travail très bien sur le parler tout le monde. Bonsoir. Tout à l'heure, vous parlez d'espoir. La fin est totalement ouverte. Est-ce qu'on peut imaginer Whisper 2 ? Oh, c'est bien sûr. I mean, yes, we are very curious about it, and we have ideas about it, because when we created the world,
Je vais pas traduire, je dis ça dépend de vous en fait, ça dépend du succès du film dans les salles. C'est le producteur qui parle, je suis vraiment désolé. Non, ce que disait Christina, c'est qu'en effet, les germes sont là. L'idée, c'était aussi de créer du désir d'en voir plus, d'avoir un univers qui est montré un petit peu, mais qui crée parfois une forme de frustration de ne pas en voir plus. Mais malgré tout, il y a toujours le désir chez Christina Bruno d'en montrer plus à terme. Même s'il n'y a pas forcément une idée claire encore de la suite, c'est un désir même nous au développement, au financement. On savait que rien que le dernier acte du film, il ouvrait vers quelque chose de beaucoup plus large, qui créait du désir d'en voir plus. Ensuite, on reste un film indépendant à notre échelle, et c'est vrai qu'on dit que, voilà, encore une fois, le film n'est pas adapté d'un livre, et ça reste un film indépendant d'une certaine manière en production. Donc on est plus ou moins dépendant d'une forme. Voilà, de succès, en tout cas du désir du public d'en voir plus, mais c'est vrai que c'est une question, là, après un mois en festival, avoir montré le film aux quatre coins du monde, qui revient souvent, et on n'a qu'une envie, en effet, c'est que ça reste de continuer. Oui, ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille sur cet univers, donc oui, on a encore un peu dans la besace, et il y a encore des choses à montrer. Comme disait Christina, oui, on aimerait bien que nos espoirs partent à l'aventure et traversent le monde, et qu'on découvre plus ce monde. Merci. Dernière question, peut-être. Bonsoir, et tout d'abord bravo pour le film. Je voulais vous demander quelles étaient vos influences pour construire l'esthétique du film, en particulier les plantes et toute la nature, et aussi pour la production, quel est le budget de ce film? Voilà. Je parlais d'abord des influences pour les plantes et tout ça. Ouais. On disait un petit peu avant, l'influence, elles sont vraiment diverses. C'est vraiment voilà, la nature, les plantes, comme ça. Et pour ces plantes, en fait, on voulait, premièrement, on ne puisse pas déterminer si c'est végétal, animal, insecte. On voulait mélanger comme ça plusieurs formes de vie dans ces plantes, voilà, qu'on ne puisse pas vraiment déterminer. Et on voulait qu'il y ait toujours une touche un petit peu d'humain. Même un petit peu de manière subliminale. Organique, c'était le mot-clé. Organique. Organique était le mot-clé. Mais ouais, d'avoir quelque chose un petit peu d'humain dans les plantes, comme si en fait, finalement, l'humanité s'était répandue dans son environnement et avait contaminé son environnement. Et finalement, la faune et la flore étaient elles-mêmes presque humaines. Donc voilà, ça c'était parmi nos influences. Après, pour les décors, on a beaucoup fait de recherches aussi sur les biomatériaux, comment ça peut évoluer un peu les biomatériaux, comment on peut évoluer un petit peu le design. Voilà, on s'est inspiré du design de Victor Self aussi pour la cabane de Desper. Comment imaginer en fait un monde évolue qui à la fois s'est effondré après l'effondrement de la civilisation, mais en même temps qui a continué à évoluer, c'est-à-dire qu'on n'est pas revenu au 19e siècle, au 17e siècle. Donc voilà, c'était tout ça en termes de. C'est pour le budget, c'est producteur. It took 6 years. The homework took 6 years. Yeah. Et Bruno, il est discret, il n'est pas crédité comme directeur artistique, mais ils ont compilé des archives hallucinantes de références très très précises
et on a fait des concept art très précis de certaines scènes qui sont plus ou moins les mêmes dans le film. Et donc, c'est ça qui a permis de contenir ça pour répondre à la question du budget dans un budget relativement raisonnable qui n'est jamais assez. Enfin, encore une fois, c'était un challenge de faire rentrer cette vision dans un budget qui, autour, on va dire, pour fixer un chiffre autour de 5 millions d'euros, qui était jamais assez. D'essayer de, voilà, entre les effets numériques, les effets pratiques, les décors, les costumes, encore une fois, c'est comment, dans un contexte aussi de pandémie, on peut construire cette ambition et le désir de producteur avec Daiva, c'était d'y croire, parce qu'à une échelle de la Lituanie, pour parler pour Daiva, elle ne comprend pas mon français, donc je peux dire un peu tout ce que je veux. Et le budget moyen, il est autour de 1 million d'euros. Donc 1 million d'euros, au début, ils sont venus me voir, ils me disent « Alexis, on va faire Vesper pour, à l'époque ça s'appelait Vesper Seed, pour 2 millions d'euros. » Et moi, je voulais des effets numériques. Comme je disais un scénario, je voyais le coup un peu des choses. Je disais « Vous êtes sûr ? Je pense que ça a coûté un peu plus cher. » Et je montais palier par palier. Ils sont « Without giving you a heart attack, you know, I was raising the budget, step by step. » So, yes, like, sure, we're gonna, est-ce qu'on va lever l'argent? We're gonna be able to raise the money, but... Et on a trouvé des partenaires, on a trouvé donc Condor qui distribue le film, on a OCS qui sera à la télé, on a Eurimage qui est une institution européenne qui soutient les coproductions, un vendeur international, des financiers privés qui sont dans la salle, les coproducteurs OVL Prod, qui ici sont encore là, sont là, on peut les remercier. Florent. Voilà, pour pas faire cocorico, mais encore une fois, c'était le pari un peu fou de faire la science-fiction lituano-française ou franco-lituanienne, pour dire la Lituanie d'abord, avec la Belgique. Donc on a monté ce projet sur la vision de Christina Bruno, et c'était un peu le pari fou juste avant, encore une fois, en plein contexte de la pandémie. Donc, mais voilà, en tout cas. On espère que ça vous a plu. Si vous êtes toujours là, c'est que ça va. Mais voilà. Merci beaucoup. Un dernier mot peut-être pour clôturer. Merci. Je veux faire Daiva et je veux faire un selfie avec vous derrière nous. C'est pour toute la Lituanie, qui est un pays de 3 millions d'habitants. Ça, donc c'est la photo.